Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va super, enfin pas trop, enfin si, mais je reviens d'un tournage assez compliqué, peut-être la semaine prochaine s'il sortira. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ce montage là, on est là pour jouer. Et aujourd'hui on joue à quoi? On joue à Code, oui il est un peu vieux, c'est Deuxième Guerre Mondiale, c'est donc VV12, hein, on est d'accord Star? Ah oui, oui, oui. Voilà, et donc on se retrouve donc avec GPXGD, logique. Non, je rigole, on se retrouve avec Eurostar. Qu'est-ce va-t-on faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est donc parti sur Code VV2, comme on vous l'a dit. On va donc faire une des trois missions qui est disponible dans ce jeu. C'est des missions qui sont un peu longues, où il y a une sorte d'histoire, ou en tout cas, qui se suit, quoi. Différentes missions qui se suivent. Et aujourd'hui, on va faire... on fait laquelle? Aujourd'hui, on fait la mission Opération Breakout, qui est une mission où on doit tout simplement attaquer d'un côté et de l'autre défendre. C'est pour ça que cette vidéo se retrouvera en deux parties. La deuxième partie sortira le mercredi. Et comme on va commencer avec Allié, mercredi sortira une vidéo quand on va jouer Axe. Parce que ces petites missions, on joue les deux côtés. Ouais. Et donc dans cette mission, en étant allié, faudra détruire faudra détruire les canons en étant allié, qui sont censés shooter sur nos avions. Et en étant axe, du côté de l'axe, faudra défendre justement ces canons. Voilà, hein. Je veux que je te dise d'autres. Qu'est-ce que tu casses les couilles? L'eau, c'est la vie. Voilà, comme ici on peut voir, d'abord il faut capturer le premier point. Après, il faudra construire un pont pendant qu'on se fait shooter dessus. Après, il faudra détruire. Je réutilise les mêmes mots, mais laissez-moi tranquille. Il faudra détruire une base. Et à la fin, il faudra tout simplement amener un tank jusqu'à la fin. Jusqu'au. Putain, les canons, j'arrive pas à me rappeler. Voilà. Nous jugez pas, hein. On est pas des Stremont sur Code. Même si je démonte la moitié d'entre vous. Non, je déconne. Le mec a trop pris la confiance. Allez, on y va. Donc là, on a un truc, ça se capturer. Et donc, comme je vous ai expliqué, on devra shooter sur les ennemis tout en essayant de rester le plus longtemps dans la zone. Je me suis fait buter. Mais je me fais buter dès le début, ça me casse les couilles, ils avaient déjà deux points d'affilée. En fait, il y a un mec qui coupe la mitraillette de merde là. Bonjour. Ah, je suis dedans. Il y a une grenade. On est en train de récupérer, vous voyez. Moi, je suis à l'intérieur. Hein. Je sais pas ce que je fais, mais je suis à l'intérieur. Ah, on a récupéré le point. Maintenant, on peut aller au prochain. Donc ici, il faut, donc comme je vous ai dit, construire le pan qui se fait en deux parties. C'est-à-dire, là, comme ça, il faut maintenir pour construire. Là, on se fait shooter dessus. Mais vous inquiétez pas, ça passe. Ah, il y a des tonneaux qui ont un spawn. Allez, la moitié qui a été... T'es mort? Non, t'inquiète, une greu juste à côté. Je sais pas, moi, je me suis pris une greu et je suis encore vivant. Ouais, mais j'étais sur la greu, mec. J'essaie de te défendre un peu. Je te défends plus. Allez, vous pouvez le faire, vous pouvez le terminer. J'essaye d'aider, moi je suis en soutien, ok. Vous construisez, moi j'essaie de shooter. En vrai. On a terminé, ok. Ça dégage. On avance. Aïe. Merde, la greuve. Putain, je viens de me prendre une roquette sur homme. On appelle la... Mais non, mais je le fais buter. Ah, merde. Mais non, mais putain. Attends, c'est quoi ça? Eh, normalement on peut monter sur le ouais, char. C'est bon, je suis monté. Oh le bâtard, c'est mon char. Descends immédiatement. T'es où? Non, déjà, il avance. Je te vois là, remonte mon char là. Mais va te faire foutre. Ah putain. Vraiment. Oh mais le lance-flamme là aussi là. C'est cheaté, il cheat le bot. Donc faut mettre maintenant des bombes sur les murs et faire en sorte que les gens tout simplement... Ah bah voilà. Faudra faire en sorte que ils désactivent pas les bombes, les ennemis. Tu vois, il faut défendre la bombe, tu vois ce que je veux dire. Tu sais quoi, je vais changer d'arme. On va jouer au sniper les gens maintenant. Plus que 2000... Merde. Pourquoi j'ai pris le sniper, je suis une merde. Ouais. T'as posé? Ah, j'ai posé. Construisez des murs. Bon, on fait rien les gens, mais ça c'est... Ah! Mais pourquoi le nôtre il balance des greux dessus? Il est con. Mais il s'est suicidé. Il s'est suicidé le con. Wow. Attendez juste, je vais reprendre mon arme principale. Prends le char. Vas-y, attends. Faut... Ah je suis mort. Ah ça était bien le char. Je vais prendre le char à ta place. Mais bon, t'es là? Ouais. Le char? Putain, oui, passe le char, parce que sinon je suis vraiment nul. T'es vraiment cheaté le char. Bah oui. Ah c'est vraiment très intéressant. C'est assez con ce sans balèque. Ouais c'est ça.
Moi, je suis mort, tu peux prendre le char. Ah bah, je suis mort aussi. Tu peux prendre le char. On testait, bordel. Ça va rien dire par rapport à un char, mais c'est pas grave. On teste. Mais je me l'ai fait but. Ah, victoire. On a gagné, les gens. Victoire, je sais pas pourquoi, allez. Mais on a gagné. Ah, là, là, là. Bon, bon, bon. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est déjà la fin, ouais. Elle était assez courte, mais parce que l'émission, ça dure vraiment 16 minutes. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur l'émission, justement, de code, et peut-être avec d'autres gens, bah, vous me le dites en commentaire. Et vous cassez pas les couilles. En tout cas, moi seulement je peux vous conseiller de vous abonner à la chaîne d'Orestar dans la description et dans la fiche. En fait, j'ai oublié à chaque fois de résumer qu'est-ce que tu fous en fait. Si les gens ne savent pas, tu fais quasiment la même chose que moi, voilà. En tout cas, je vous dis à mercredi pour la suite. Ciao. Salut.